feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode des Sims 3 avec Lala Gaming. C'est juste bizarre, mais ce n'est pas grave, on s'y fait. Hein. Alors, allô. Veux-tu vivre avec moi? Ah oui, mais pourquoi il vit pas avec moi? Bon bah c'est le four. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Ah, sa fille. Je prends les cheveux sur la boue. Non. Moi je suis payé pour rien faire, c'est bien. Non, et après ils vont se plaindre. Ah bah non, c'est un congé, donc du coup je vais partir chez elle. D'accord. Allez, go. Go. Go, oui. Au lit. Tu prends vite tes lumières du coup. Mais bah attends. Oh, c'est tout ça. Moi je crois qu'on va demander une femme de ménage là, parce que... Hop, tu ramènes des sous-sous. Allez, approche. Il veut pas. Ça fait peur. Voilà, c'est bon. Non, on va éviter les femmes de ménage. Hop. Ah, t'es jolie comme ça. Il va prendre des lustres avant de venir, non? Bah, on fait? Lui, faut que je le vire en fait. Oui, non, mais du groupe d'amis. Parce que là, on a un groupe d'amis. Attends, faut qu'elle fasse pipi. Voilà. Voilà. Il est bien taré, ta Sim. Ouais. Non. Pourquoi ils oublient toujours la moitié des... Ah bah voilà. Gentil. Bizarre. Ah, il fait nos lessives. Moi je travaille à quelle heure? Ah non. Dieu. C'est quoi? Pourquoi c'est sur moi qui fais les nuits? C'est où la mairie?
Et j'aurais plus ça du coup? Non. Moi. Voilà. J'étais envahie. Allez, go. De quoi? Bah si là. Oh. Bah y'a pas. Ah bah vas-y, te gêne pas. Bah non, il est pas là-dedans. Pour moi, il habite pas là. C'est pas plus mal si je peux pas jouer avec lui. Allez, dors. Il surveille comme ça. Il n'y a pas de travail. Pff. J'ai fait. Ah, c'est pour que je me disais, mais de filles qui parlent comme ça. Ouais, c'est bon, on a compris, ça suffit. Allez, éponge. Je vais en acheter des autres, ça, parce que c'est vraiment nul. C'est où? Là. Il n'y a pas une colorie parce que celle-ci elle me saoule. Ouais. Tout, 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 tout. Toi, tu vas faire à manger. Pancakes. Parce que va venir. Ok. Passe sur la terrasse, s'il te plaît. Bon, bah, trop tard. Miam. Bah, tu vas manger ça. Allez. Hein? Tu vois, il vit pas là. Bon, il est marié pourtant. Il est chelou, certes, mais pour autant. Bon. D'accord. Allez. Donc comment on fait pour gagner un point? Bah voilà, c'est ma fille. Il n'y a pas à pied. De toute façon, il n'y a pas allé à pied, il y a eu en vélo. Il y en avait les deux. Ça me fera un peu de sport là, parce que on est grosse. Non, pas grosse. Mais on va le devenir, ça on fait rien, puis on mange des gaufres. Faire ça. Moi j'ai soulevé les haltères. Avant il faut que je débouche les toilettes.
Allez. Ça reste 4 heures. Avant quoi? Avant le travail, non? Ah oui. Quoi? Ah, elle prend 9 heures. 5 jours? Parce qu'elle est enceinte? Même pas enceinte encore. Elle vient de se marier. Et alors? Elle regarde son nom déjà. Pépette, ça! Ah, tu vois, t'as envie de faire du footing là. Ah, bah ça va, tu arrives pas, toi. Bah ça va, je travaille jamais en fait. Hein? Invite le mien. Ton copain. Mais attends, il fait du sport. Hein? Après elle va travailler, je pourrais plus. Mais tu travailles pas aujourd'hui, hein? Mais pour qu'il vienne demain. Oui, bah après. Elle est sensuée. Comment on met la musique, c'est où? Ah là. Allez, stop toi. Parce que moi, je travaille. Ah bah non. Ah mais j'ai pas mis faire. Non, moi je travaille pas. Bon bah. Bon bah moi je travaille pas. Comme toi. Pendant 5 jours? Je peux me faire enfin travailler pendant 2 semaines. C'est nul. T'as qu'à changer de métier, Hein? Change de métier avant que tu sois enceinte. Genre enquêtrice. Ça tu peux travailler en étant enceinte. Ah. Travaille chez soi, tiens. Ah non, elle va la rater. Alors, tu vas appeler Alfred. Ah bah tiens, ton patron. Discute avec lui. Hein? On trouve un autre. Oh, c'est ta préférée? Mmh. Bah, elle. Non, non, un homme. Bah, lui. Mais c'est ton patron, alors bon. Ah, oui, c'est bien. Ouais. Allez, au bon rythme. Moi, je choisis le patron. Là. Oui, parce qu'il est quelque part en ville, en fait. Hein. Ah oui? Avant, il était à l'université, d'ailleurs, il est bien en ville. Il faut que tu impressionnes ton patron, hein. Tu fasses du sport. Oui. Yumi et ses muscles sont trop fatigués pour continuer à soulever du poids. Oh. À courir nu. Ah, elle danse. Danse c'est quoi? Elle aime courir nu. Parce qu'elle court pas en fait. Mais bon. Oh. D'accord. Bon stop. Elle monte les marches. C'est une thug life. Je vais être meilleur que toi en sport. Ben... Invite-toi aller quelque part.
Il bosse, ça se trouve. Non. Il t'aime pas. Ah bah du coup, elle va se laver. Les deux mettons. Allez hop. Un petit SMS de rupture. Non. Amical. Et puis... Bah du coup... Ouais, elle va sauter sur le trampoline. C'est quoi que je voulais faire? Bah zut, j'ai oublié. C'est bête. Ah oui, je voulais être pompière. Comment tu veux être enquêtrice, hein? Bah j'hésite entre enquêtrice et pompière. Comment on fait pour trouver un des jobs directement? J'hésite. Et enquêtrice, ça va être où? Ah bah il y a pas enquêtrice. D'accord. Et ça l'amuse. Oui. Oui. Allez, rentre chez toi. Tu vas manger. Du coup, ça, on peut le mettre dans l'inventaire. On a une chaise en plus. Ouais. Allez, pousse-toi que je déplace ça. Voilà. Cette chute, une chute. Ah, elle s'ennuie vraiment, la pauvre. Oh non, j'aime pas. J'en ai marre. Pour une copine, il y a... Ah, de mes crabes là. Tu vas regarder un film et puis peut-être que tu trouveras quelqu'un. Non, bon. Elle va manger là-bas. Y a rien à faire. Bah va au bar, allez, va visiter. T'as trouvé quelqu'un? Non. Voilà, donc bientôt elle va venir. Puis du coup, elle a pas commencé maintenant. Non, pas se détendre, non, d'une pipe. Dormir, enfin. Avant de vomir, être couché. Elle se lève pour vomir.
c'est Lala Gaming et on se retrouve pour le let's play avec Mia Gaming. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît. Nous on s'amuse comme des petites folles. Et oui, allez, on reprend avec Natacha et sa sœur. Sa sœur Yumi. En plus c'est moi qui l'ai faite et je me rappelle déjà plus. Ça craint un peu. Alors moi je voulais trouver un autre copain du coup parce que voilà, j'arrive pas à inviter le gars là. On a rencontré à l'université. Alors je voulais me retrouver un autre. Alors on va prendre quelqu'un qui est tout seul. Donc je sais que lui il est tout seul. Mais je sais pas. Mia m'a fait peur. Alors on va sympathiser avec Phoenix Prudence. Parce que voilà. Il me fait penser à mon oncle d'ailleurs. Et ce qu'on va Ah bah voilà, elle est enceinte. Ok, c'est bien. On va retourner avec elle quand même. Ah bah justement. Ils ont l'air de bien s'entendre en plus. Donc ça tombe bien. Ce sera lui et puis c'est tout. En plus il y a déjà des enfants donc ça m'évitera d'en faire. Non je rigole bien sûr que non. Je ferai comme des enfants. Elle veut une fille avec un peu de chance. Mia tu auras une fille. Des pastèques. Ah oui, sur les pommes, c'est les garçons. Moi, je suis sûre à 100%, ce sont les pastèques qui font avoir des filles. Mais c'est mieux si on triche pas quand même, non? On va discuter du travail. Moi, je sais qu'est-ce qu'il fait comme métier, mais c'est pas grave. On peut se renseigner quand même. Et comme on a la dalle, hein. On va lui demander de manger quelque part ensemble. Bon, il a l'air de dire là, il veut bien. Donc on va manger là. Ça coûte pas cher. Et je voudrais bien voler une voiture aussi, mais ça on verra plus tard. Pour me faire un peu d'argent parce qu'on a court d'argent. Donc elle est bien mariée. Ah oui, elle est bien mariée à lui, à Léonard. Donc. Donc on va l'emmener. Hop. Là c'est bien, c'est cool, tranquillou. Allez, viens là. Ah c'est pas le bon signe, voilà, c'est celui-là. On va pas prendre le dessert, ça va suffire ça. Et puis demain, ah non elle travaille pas, donc ça va, c'est cool. Bon, j'aimerais bien qu'il sympathise un peu plus. Ah oui, c'est pas mal déjà. Viens là, Yumi. Yumi Yuma. Amical, frère à cadeau, faire connaissance. On a plus beaucoup de sous, mais bon, c'est pas grave. Il m'a arrêté de discuter un peu là. Voilà. C'est un peu agaçant, j'espère que ce sera le dernier quand même, parce que j'en ai un peu marre de faire la même chose. Petit secret, voilà. Ami, allez. On va lui dire, on va bientôt lui dire qu'on l'aime. Allez, on lui avoue tout ça et puis on verra. Et bon, il veut bien aussi, c'est bon, ok. Hop,
On va quitter. Ah bah non, on peut pas quitter l'autre parce que non, ça va. Tout va bien alors. Voilà. Vite avant qu'elle s'écroule. Voilà, hop. Et demander en mariage, si je ne me trompe pas. Oh, mauvais. Bon bah viens, donc je te ramène chez moi, toi. Le souci, c'est qu'il y a déjà deux enfants, lui, donc c'est pas évident. Elle dort, oui, elle dort toujours. Faudrait bien prendre ton lit, s'il te plaît. Non, je peux pas. Ah oui, oui, oui. Il est où? Il est là. Petit blaireau. Hop, c'était où rester dormir. Et hop là. Et là, à mon avis, il voudra bien se marier, non, Mia? Non, même pas. Ah oui, quand même. Mais est-ce que tu es d'accord? Oh non, mais est-ce que tu es d'accord pour que tous les enfants ménagent chez nous? Parce qu'il y en a quand même deux, hein. Ah oui, donc il va pas emménager et puis c'est tout. On va juste faire un enfant et puis ce sera bien. Il m'attend. Et moi, je m'endors. Désolée. Pardon. Je me suis endormie. Hop. Et voilà. On recommence. Ah, reviens. On va se lever. Résoudre une affaire. Alors, oui. Bah oui, mais je peux tout faire aussi. Bon, c'est bon, là. Ça s'active un peu, s'il vous plaît. Encore, tu pourras dormir, t'inquiète. Ah, ça y est, j'ai entendu la petite musique magique. Donc c'est bon, hop, tu peux dormir tranquillement. Voilà, on va être tata toutes les deux, Mia. On aura un enfant à peu près en même temps. Donc c'était plutôt rapide, combien de temps j'ai mis exactement? J'ai mis 8 minutes. C'était rapide. Bon, allez, hop, au dodo. Et puis toi, tu peux te réveiller du coup. Est-ce qu'on appelle un agent de ménage? Oui, hein. On est d'accord? Parce que là, c'est vraiment sale. Hein. Et si on mettait un étage, Mia? Pour mettre tous nos enfants là-haut? Il faut que je... Oui, c'est vrai qu'il faut absolument que je... Que je trouve une voiture à voler, là. Ça urge. Est-ce que ça va... Bah, on va le faire, on le fera aujourd'hui, de toute façon. Je la réveillerai la nuit. Puis cette nuit, on ira voler des choses. Des voitures. On ira voler les riches. Dans toute la journée, voilà, et quand tu te réveilles, on le fait. Au pire, on voit la maison du corps. Ouais. Ou chez les riches plutôt, non? Les voitures. On leur vole leur maison. Mais c'est pour les vendre. Les voitures. Ça vaut plein de sous, ça. On les vend dans leur maison. On peut pas, on n'a pas de sous. Oh non. Ah ouais. Oh. Ouais. Ouais. Petite et qu'une chambre. Donc il y en a deux déjà. Et l'autre, c'est ton maison. La gala est trop bien, sa maison. Sinon, la famille Sargent, on aime bien aussi. Je vois que j'ai voir que
Oh, hey, tu veux me piquer? Apparemment. Et non, ça va pas se passer comme ça, toi. Invite ton mari plutôt, oui. Voilà. Non, mais. Eh, attends, le foyer, c'est quoi le foyer? Parce qu'il habite avec des gens en plus. Bah, trop tard, il va venir tout seul ce coup-ci. Avec elle? Anne Connors. Bah, elle chante. Ah, le voilà. Alors, Marie. Ouais, donc on va peut-être... Oh, mais... Là, c'est toujours potentiel. Mais je crois qu'ils étaient mariés, moi. Bah... Ils sont plus mariés. Ah non? Si, là, c'est Zimmer. Ah! Crac crac. Non, bah c'est mort. Ah bon? Ah! Ah oui! Bah. Bah, c'est vraiment bizarre. Et dans son arbre, il apparaît en mari. C'est bizarre. C'est bien. On va le faire emménager. Ah, mais si, on peut le faire emménager. On le prend dans un sac. Avec donc du coup il est emménagé, on a réussi, on a réussi. Donc ça c'est cool. Le petit problème c'est qu'il n'y a pas de place hein, chez nous. On est d'accord. Donc on va déménager. Hop. On se retrouve tout de suite. Ok, donc on est parti là. Voilà. Parce que c'était plus grand et parce qu'on adore cette maison. Donc on se met là. Et du coup, comme c'est très bien aussi qu'elle se marie, si possible, ce serait bien aussi. Mais bon. Moi du haut, évidemment. Oh bah, d'accord. Alors, le petit pont, il va venir tout de suite. Il est où d'abord? Eh, mais il travaille peut-être, le pauvre. Bah oui. Le pauvre. On va se faire... Je voudrais changer, je voudrais travailler dans l'enseignement. Avec lui. Voilà. Ah non, il travaille pas dans l'enseignement, c'est vrai. L'enseignement. Non, il travaille pas dans l'enseignement. Il travaille à l'armée. Alors... Alors les geeks, ça va? On va voir si on peut pas se remarier une deuxième fois. Même si c'est bizarre. Je ne pense pas qu'on puisse hein, se remarier. Ah si, on peut se remarier. Donc on va se remarier. Voilà. Je veux pas. Il y a deux bagues. Donc on va se remarier. C'est moi qui propose. Hein. Ah oui. C'est toujours Natacha qui a la bonne idée. Avec Parker, ouais, ça vient avec ton fils. Hop. Ah oui, mais il ne veut pas inviter le petit. Ah, il veut bien venir avec son fils, mais il veut pas venir avec... Et voilà, vous êtes remariés, voilà. Vous aimez bien vous marier. Un petit ventre, tu veux pas le toucher le petit ventre? Ah bah voilà, hop. Ah oui, c'est vrai. Mais quoi? C'est lui qui s'occupe des armes dans le resto. C'est quoi sa quiz? Vous allez faire un petit quiz, tiens. Ah bah le voilà. Ah bah il vient avec son bambin. Regarde Mia, toi qui adore les bambins. Il
Ah bon? Ivre. Allez, j'aimerais vraiment que la famille soit réunie là. Allez hop, mariage, demande en mariage. Donc eux, ça me va vraiment bien. Et il dit oui, c'est un miracle. Un miracle. Hop là. Et voilà. Va-t-il rejoindre la famille ou va-t-il encore bugger? Non, il vient. Bah, va vivre avec ses enfants parce qu'on peut pas y laisser ça tout seul. Mais en plus, il vend, donc du coup, regarde l'argent qu'on a. Bah oui, parce qu'il emménage, donc voilà. Peut-être prudence. Peut-être prudence chez lui. Oui. Ça va faire beaucoup, mais on va gérer, n'est-ce pas, Mia? Alors. Ah oui, je voulais les mettre à l'internat déjà. Alors, oui. Ah oui, faut attendre un peu avant de décoller là-bas direct. Inscrire en pensionnat. Alors, gosse de riche, dribbling, force trick, cal. Alors, on va faire un passer quel bac au petit là. Il aime quoi d'abord, le petit? Ah bah il grandit dans un jour, donc il va revenir dans un jour, ça sert à rien finalement. On va attendre qu'il soit ado. Il est déjà à l'école, donc ouais. Il va grandir dans un jour. Et elle grandit dans 2 jours. Donc tu peux lui apprendre à marcher, à parler. Puis après elle ira à l'internat aussi. Voilà. On va juste lui acheter ça. Puis après on... Ah bah non, on a déjà un. Ah, on n'a plus. On n'a plus. On avait, on n'a plus. On aime la télé? Alors que lui, il s'instruit au moins. Qu'est-ce que c'est? A perdu un quiz. Bon, il... Ah oui, il travaille, lui, quand même. Nettoyeur de quoi? Latrine. Je vais le faire. Ah, c'est le tien? Qui est nettoyeur? Le mien? Bah ouais, on est les deux pareils. Ah bon, je vais le faire avec pompier. Ouais. On fait pareil. Alors, elle est où, la mienne? Ah oh, bah! Tout le monde se va devant la télé. Bah oui, il n'y avait pas de télé dans notre maison. Hein? Il n'y a pas de télé. Alors, tu vas faire... Ah bah, on va faire des macaronis. Et le petit, il va aller où? Ah, il va rentrer. Diplômé, c'est ça, ouais. Il est diplômé d'université, le petit, là. N'importe quoi. Diplômé de l'université. Il l'a fait en cachette? Ah mais ils ont tout mélangé. On peut même réparer hein, les toilettes. Réparer? Ah ouais. Mais non. Tombe un piège. Ah bah hop, tu vas le faire. Oh non. Mais à ta belle-mère. Parce que tu l'aimes pas ta belle-mère. Avant de partir à l'internet, tu vas faire plein de trucs du chelou, tiens. Tendre à piège, alors. Douche colorée, tiens, voilà. Mais ce sera. Il l'appelle en plus? Ce sera une petite crapule. Mais il est bête, pourquoi qu'il le dit? N'importe quoi, en fait, il lui demande de. Et elle le fait.
Elle est la petite crapule. Si je dis à la... Et la tienne, elle vient, c'est cool. Si je dis à la... Ouais. Vas-y, fais pipi. Ouais, ouais. Je peux dormir un peu. Et la tienne, elle vient. N'embête pas ma sœur comme ça. N'embête pas ma sœur comme ça, toi. N'importe quoi. Et du coup, voilà. Vous avez de gros ennuis, jeune homme. Il faudrait mieux ne plus jamais refaire ça. Et bah, tu vas... C'est pas la peine, tu pars en internat. Ah oui, voilà, tiens. Non, mais où, là? Bon, c'en est où, le... Mais tu étais pas en train de faire à manger, toi. Oh! Ça prend feu. C'est ça? Vite! Y'a pas d'alarme? Non, pas toi! Oh. Toi. Oh non! Non, pas toi, le petit, là! Laisse-le! Il est méchant. Ouais, au pire, on s'en fout. Et je laisse Mia se débrouiller tout seul. Non, ça va. Tout seul, merci. Toute seule. Parce que c'est la fin de cet épisode, drôle d'épisode d'ailleurs. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.